chers amis fans de sport. Des joueurs de talent sur le terrain. J'espère que vous nous offrez un spectacle digne de leur statut. C'est un joli stade, Bob. Ça fera l'affaire. De toute façon, moi, c'est l'action qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que ce numéro? Bloodweiser, mourant du jour. Le breuvage des rois. Et voilà la petite guerre qui se balade. Est-ce que c'est bien fair play, Bob? L'une des deux équipes est manifestement plus forte que l'autre. T'as pas fini de te plaindre des fois? Le fair play et le football, ça n'a rien à voir! Les orques sont des adversaires brutaux et durs au mal. Mais ils ne sont pas manchots avec le ballon pour autant. Pour venir à bout des peaux vertes, il faut être plus malin que eux. Ou plus costaud. Avec le football, c'est que c'est fichtrement fédérateur. Des orques, des nains, des humains et même des hommes bêtes. Tous réunis pour en découvrir sur le terrain. Qu'est-ce que tu fais, Jim? Oh, rien, je me curais les dents, Bob. Tu te polissais les trous, quoi. On est diffusé dans tout le monde en cabale visio destinée et rien n'échappe aux spectateurs. Il faut bien que je soigne mon apparence.
choisir sans hésiter. Pas pour ça. Il faut se rapprocher jusqu'à sentir la laine de l'adversaire et voir les insectes coller entre ses dents. Ce joueur pourrait faire se battre entouré. Il a clairement bloqué en désespoir de plus, mais ça a marché sur ce coup-ci. Ah, c'est le genre de cicatrice qu'on garde tout le reste de sa courte vie. Corps à corps. Je sens que ça va me plaire. Se faire aider, cette espèce de... d'assister va. Oh!
dessus. Thank you.
joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable. Il n'a aucune envie de le laisser tranquille. Soutien suffira-t-il à prendre le dessus? Ce joueur est une pratique efficiente de snuffling. C'est toujours risqué de tout donner pour piquer un sprint. Oh, je sens que ça va partir en sucette. Vas-y, mon gars! Mords-y l'œil! C'est comme rouler un oignon. Faut virer les couches externes pour arriver à ce qui est bon. Une bonne chose de vrai. Ce joueur est à deux doigts de passer les portes de l'enfer. Ce joueur va se prendre un coup au-dessus et en dessous de la ceinture. Il reste 3 comme affiché.
sens que ça va me plaire. Joueur trébuchant du terrain, il finira dans les tribunes. Et connaissant les fans de Blood Bowl, ce serait une très mauvaise idée pour lui. J'ai déjà vu des plantes vertes plus réactives que celui-ci. Au secours de ce joueur, ça va faire mal.
qu'on regarde le même match. C'est ça. Le porteur du ballon est l'adversaire à abattre. Ce jeu, il ne fait pas bon rester trop longtemps à l'air. Ce joueur aurait bien besoin d'une transplantation de cerveau. S'acharne sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Regardant bien, on peut voir le joueur adverse sous cette montagne de chair. Oh. On retrouvera peut-être ce joueur plus tard, s'il se réveille.
trompe pas. Il va rester dans les vapes un bout de temps. Un joueur se rapproche d'un coéquipier. C'est ça! Un bon coup de ballon dans la face! À cette distance, ça fait aussi mal qu'un coup de brique dans les mandibules! Je suis déçu! Personne n'a été allongé! Courez vers le porteur du ballon pour le bloquer, et si ça donne rien, tentez le coup de latte dans la figure! C'est le moment de vérité! Et puis là, tu fous de sang et moi aussi! Allez, une dernière petite pichenette! Par les baloches des NFL, Jim! Thank you.
de moins, ça n'a rien d'insurmontable. Mais c'est pas non plus un cadeau. L'équipe mène au score, mais elle va maintenant botter pour l'adversaire. Ils vont essayer de récupérer le ballon au plus vite. Tu sais quoi, Jim? Je sais chanter. Oh non, par pitié. Vraiment? Oh, oh, pas la peine d'être méprisant. Mon coach personnel dit que j'ai une belle tessiture de baryton. Ils s'acharnent sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Le joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout. Plus dur sera la chute. Ils vont en découdre mano à mano, Bob. Ah, pour ça, il faut se rapprocher jusqu'à sentir la laine de l'adversaire et voir les insectes coller entre ses dents. Ces joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable.
terre et s'apprête visiblement à passer un sale quart d'heure. Je parie 5 pièces d'or que ça commence par un coup de botte en pleine face. Ouais, ouillon. Bonne passe sans périr. Je pourrais me fendre d'un commentaire cinglant, mais je vous laisse plutôt juger. On s'y remet. Le carnage peut repartir de plus belle. Un joueur de moins, c'est facile à remplacer. Ah, plus que tout, ils doivent conserver la possession du ballon. Une contre-attaque serait terrible. Les joueurs galopent de partout, Bob. Tu étais du genre galopeur, toi ? Pas du tout, Jim. Je restais collé à la ligne médiane et j'attendais que mes victimes me tombent dans les bras. Hey Jim, combien il faut de halflings pour faire un bon ragoût ? Assez peu, j'imagine. Ce sont tous d'excellents cuistots. Il en faut 6, pas un de moins. Sinon, il reste de la place dans la marmite ! Bon. Thank you.
un coup au-dessus et en dessous de la ceinture. Un petit somme et il nous reviendra peut-être tout à l'heure. Cette espèce de... d'assister, va! Ce joueur est un véritable mur!
joueur de Blood Bowl sous l'autre, là. En voilà un qui est aux fraises. Un des fruits les plus mortels qui soit. Pourtant, son horrible goût devrait nous mettre en garde. Ça cherche clairement le corps à corps. L'attaquant bénéficie de soutien. L'arbitre en regarde l'heure. C'est bon. C'est un peu plus tard établi. On peut toujours compter sur les orques noirs pour assurer spectacle question violence. L'équipe se prend encore un pain. Enfin, comme on dit, pas de pain, pas de gain. Quelle vision, j'entends.
être entouré. Oui, je ne voudrais pas être à sa place. C'est une formation solide. Je demande à voir comment l'adversaire va subtiliser le ballon. Ce joueur est à deux doigts de passer les portes de l'enfer. Les joueurs viennent au soutien de leurs coéquipiers. Thank you.
les joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable. Il s'acharne sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Au bord du terrain, à portée des mains des fans qui ont l'air affamés. J'ai comme un abruti de saumon. Il faut viser les yeux quand on tente ce coup-là, Jim. Bon. J'ai l'impression qu'il a l'air un peu sonné. Des joueurs. Ah, si ça continue, le syndicat va les blacklister. Ce joueur, à cet attaquant, il transpire la faiblesse. Que ce joueur dormait, Bob? Lui, je sais pas. Moi, oui. De retour. Formidable! Avec des joueurs en moins, c'est plus dur de marquer, forcément. Il faut trouver de quoi les remplacer.
deux équipes sont au coude à coude. Ce coup de pied est crucial. La fois où tu as enchaîné tous les techniciens gobelins ensemble pour en faire une masse vivante, juste histoire de tromper l'ennui. Ouais, ça c'était de l'arme de destruction massive. Quel a été ton meilleur moment dans ta carrière de joueur, Bob? Le jour où j'ai marqué mon premier touchdown. Juste avant, j'avais arraché la tête d'un type qui m'avait saoulé dans les vestiaires. Pour rire, je lui ai collé le ballon sur la nuque et j'ai envoyé valser le tout dans l'embute adverse. Les arbitres ont dit que c'était parfaitement valable. Touchdown! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Si j'avais reçu une pièce d'or à chaque joueur que j'ai vu sur le carreau, je pourrais fonder ma propre équipe. 1 million, ça suffit pour se lancer, n'est-ce pas? Un joueur de Blood Bowl sous l'autre, là. Oh, on dirait que le marchand de sable est passé. Faites attention à lui, c'est un escroc de premier. Mais pourquoi est-il aussi méchant?
Corps à corps. Je sens que ça va me plaire. Thank you.
aurait peut-être quelque chose de profond à dire quand les joueurs se... se décideront à jouer pour de bon. Dans le tas, Jim. Il y a des joueurs qui valent le coup. L'ennui, c'est qu'ils se planquent tous derrière les joueurs médiocres. Il fait maintenant pleuvoir les beignes dans l'espoir d'arriver à le plaquer au prochain essai. Prendre un coup au-dessus et en dessous de la ceinture. Je préfère le retourner. C'est pas parce que le coup de sifflet final va être donné qu'on n'a pas le temps pour quelques victimes. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus ? Allez les gars, tous ensemble ! Aurait du mal à démêler ce fat. Désolé de l'interruption. On peut toujours compter sur les...
jamais, Jim. Si l'une des deux équipes a une boîte secrète, il serait temps qu'elle s'en serve. Ça aurait plus d'effet. L'attaquant bénéficie de soutien. Ce joueur peut maintenant avancer sans risque. Celui qui veut pas passer pour un con, il lui faut le ballon. Ça arrive! Attends, est-ce que tu... Là, on va se barrer. Ces griffes rentrent comme dans une tourte halfling. Ah! Rien de mieux que de finir sur un coup d'éclat ultra violent.
joueur aurait bien besoin d'une transplantation de cerveau. Se rapproche d'un coéquipier. En ligne de mire, mais va-t-il pouvoir le ramasser? Je me suis entraîné des semaines pour réussir à me relever de cette manière, mais la gravité était trop forte pour moi. Mais vous pouvez arrêter! Il est parti! Encore un joueur à terre! Le coach va finir par sortir de ses gonds! Risque de ne pas être moi. Un nul plein de tension. Le match aurait pu basculer dans un sens ou dans l'autre, jusqu'au coup de sifflet final. Est-ce qu'on a bien regardé le même match, Jim ?